bien parce que, bien évidemment, vous allez pouvoir réagir à ce que vient de dire le plus important, mais il nous fournit une transition. Une conclusion, je ne sais pas, mais il fournit une belle transition toute trouvée. Effectivement, le Zanguezou, cet éperon rocheux, montagneux, qui est au sud de l'Arménie, qu'on traverse d'ailleurs quand on va au Karabakh, et Nakhitchevan. Et à titre personnel, j'ai été, je me suis rendu au Karabakh récemment, il y a un mois environ, j'ai été extrêmement frappé par l'état de dépeuplement du Zanguezou, je le trouvais très très peu peuplé. Et là, on me pose la question. Vous posez la question d'ailleurs, puisqu'il y a moi, quelles sont selon vous les concessions que la partie arménienne devrait faire pour arriver à une solution politique viable? Jusqu'où faut-il s'arrêter pour avoir la paix? Il faudrait d'abord qu'un chef parte. Il faudrait d'abord que le régime des Azerbaïdjan change. De toute façon, je pense que tant qu'il y aura un IF au pouvoir, il n'y aura pas de. C'est pas possible. Parce que de toute façon, pourquoi? Parce que de toute façon, le problème du Karabakh le permet de se maintenir en place, et puis de toute façon, il n'y aurait aucune concession. Donc la première des raisons, c'est qu'il y a un gouvernement démocratique qui se met en place en Azerbaïdjan. Ce n'est pas demain la veille, parce que je vous signale quand même que l'OSCE n'a pas voulu observer les élections qui se sont déroulées le week-end dernier. Et qu'il y a quand même 20 personnes qui sont un président politique. Donc, voilà la première des conditions. Donc vous répondez à l'autre question qu'on vous pose également. Pourquoi avez-vous dit qu'il n'y a ni guerre ni paix? Pouvez-vous développer en évoquant l'histoire contemporaine? Il n'y a ni guerre ni paix, pourquoi? Parce que d'abord, il y a le gros ennemis qui, s'il n'a pas d'autre mérite, permet de détenir le statu quo. Je pense que tant qu'il n'a pas réussi à bâtir la paix, mais il a quand même préservé de la guerre. Tant qu'il y aura beaucoup de Nice, je pense qu'il n'y aura pas de prendre du réparation dans le secteur. Donc, je pense que c'est surtout pour ça. M. Jamin, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, je voulais aussi dire ça, quoi. C'est le groupe de Minsk, il a ce mérite-là. Je ne sais pas si on doit parler d'admérite. Il a cet effet-là, cette conséquence-là, on discute, mais enfin, c'est quand même hallucinant. Ça fait combien de temps? 21 ans, c'est ça, qu'ils discutent. Les affaires étrangères d'un mendiant, c'est que le plan de paix, il est sur la table. Il y a des échanges de terrain à faire, on sait lesquels. Il y a des conditions de retour pour ceux qui voudraient revenir. Ce sera un peu théorique, mais ils sont prêts à les mettre sur la table. Donc, le seul sujet, c'est que l'Azerbaïdjan n'en veut pas. Et l'Azerbaïdjan n'en veut pas parce que c'est le moyen pour un autocrate, je ne sais pas comment il faut l'appeler, peu importe les mots, pour se maintenir au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Après, comment on en sort, c'est plus compliqué, mais il faut continuer, je ne sais pas, parce que ça dure depuis aussi longtemps. La France a un rôle très important à faire et à jouer en la matière. Il ne faut pas se dire c'est un petit pays, il n'y a pas d'intérêt géostratégique. Moi, ce que je crois, en tout cas, qui est la marque de la diplomatie française, et qui doit le rester, je suis très attaché, c'est que ça ne doit pas être une diplomatie d'intérêt. Certains de diplomaties qui se disent quels sont nos intérêts. Si j'ai un intérêt pétrolier, ou j'ai des populations à protéger, ou j'ai des alliances, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. La diplomatie française, c'est une diplomatie de l'intérêt général, et moi, je suis très attaché à ça. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'on est respecté. Moi, je suis allé aussi en Israël assez récemment. Finalement, les deux parties, d'ailleurs, soit les Israéliens, les Palestiniens, ils disaient si un jour on a une perspective, c'est à vous, la France, qu'on demandera d'accueillir une perspective de paix, parce que on vous respecte, et les deux parties vous respectent. Parce que, par exemple, en Iran, sur l'affaire de la négociation du nucléaire iranien, tout le monde se disait on va pas être trop méchant avec les Iraniens, parce que sinon, après, il y a un grand marché économique et on va être pénalisé. Je ne citerai personne particulier, mais on a un voisin qui, l'encre n'était pas encore sèche de l'accord, qui le lendemain, un ministre de l'économie, pourtant qui est une formation politique proche de la mienne dans ce pays-là, est allé sur place pour signer des contrats
Alors que Laurent Fabius, là, il s'est fait copieusement chahuter sur place, y compris d'ailleurs en envoyant des affaires des années 80. Ensuite, il a souhaité aller, lui, nouer des contacts diplomatiques avec les Iraniens. Et dans un deuxième temps, plusieurs semaines après, avec le ministre chargé du commerce extérieur et sans lui, on est allé discuter d'économie. C'est symbolique ce que je vous dis, c'est le mois d'écart, mais c'est de dire, nous on n'a pas signé pour des intérêts économiques. Nous effectivement, on a été les emmerdeurs jusqu'au bout en Iran, mais on voulait vraiment qu'il y ait les moyens de vérifier que le nucléaire iranien sert aux civils et pas à se faire un armement. Et pour ça, il fallait qu'il y ait des procédures très concrètes qui permettent de vérifier en permanence qu'on a au moins 6 mois de délai avant qu'on puisse passer du civil au nucléaire. Donc je pense que la France doit avoir ça. Et donc c'est pour ça qu'elle doit garder cette diplomatie-là. Une diplomatie aussi, parce qu'on a appris de l'erreur notamment américaine en Irak, de notre erreur collective aussi en Libye, qui ne veut pas faire la place des peuples. Que ce soit en Syrie ou au Liban, en ce moment on dit, pour leur président de la République, on ne va pas décider à votre place, on ne va pas vous dire choisissez-vous tel président et à ce moment-là on sera gentil avec vous. Il n'y a rien de pire que ça, donc c'est au peuple de déterminer. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut que le Haut-Karabakh soit un État indépendant ou est-ce qu'il faut que ce soit rattaché à l'Arménie? Ça, ce n'est pas la France de décider. La diplomatie française ne porte pas ça et a appris que porter ça, c'est parfois et souvent préparer des drames futurs. Moi, je suis assez attaché à ça, cette diplomatie-là. Je trouve que le président de la République, c'est un jugement personnel, il réussit plutôt bien en ce sens depuis 2012, et que du coup, ça nous confère une responsabilité particulière dans des conflits comme le Haut-Karabakh, parce qu'on est crédible pour porter ce type de diplomatie. Merci. Donc, une éthique de responsabilité plutôt que de conviction. Merci. Je crois que les temps terminés. On me fait signe qu'il est bien tard déjà. Je vais remercier nos deux intervenants. Je voudrais m'excuser auprès de l'auditoire. Il me reste 2 questions, mais je crois que vous pourrez, lors du banquet qui va suivre, les poser directement à M. Germain et à M. Desperoda. Et pour conclure, je voudrais brièvement passer la parole à Ovanès Guémorquian, qui a peut-être un mot à dire, qui est notre représentant du Haut-Karabakh en France, et qui veut, ou notre ambassadeur, comme dit François Rojdan. Si Ovanès veut dire quelque chose, je ne sais pas. Tout simplement, un grand merci aux intervenants pour cette remarquable conférence. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci également à la gestion de soutien au Haut-Karabakh. Qui soutient la représentation du Karabakh depuis 1998. Un grand merci pour ce soutien sans faille, Monsieur le Président. Je salue les présidents respectifs du passé qui sont là. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Je ne sais pas, probablement, en parlant du Karabakh, si on devait mettre une logique dans cette lutte, dans ce combat, dans cette résistance du peuple karabakhien. C'est probablement, à mon sens, c'est la sécurité. La sécurité de ce peuple qui a été menacé à un moment donné. Et c'est avec cette logique que le peuple du Karabakh a commencé à résister. Et toute solution, à mon sens, devrait aussi reposer sur cette logique qui inclut, qui est une condition pour le règlement du conflit du Karabakh. Parce qu'on parlait tout à l'heure du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'intangibilité des frontières d'un État. Un État, pour moi, avant tout, est une entité, une structure qui défend ses citoyens, qui est là pour garantir la sécurité de ses propres citoyens. N'oublions pas le Haut-Karabakh, les Karabakhs ont été les citoyens de l'Azerbaïdjan et dont les droits ont été bafoués par l'État même. Et donc c'est dans cette logique que le Haut-Karabakh a voulu proclamer son indépendance, donc de se détacher, pour trouver une certaine manière, une assurance, une sécurité
de vie et pour continuer tout simplement physiquement à vivre. Donc je crois que cette logique de sécurité et toute solution éventuellement, évidemment, d'une manière pacifique qui se trouvera, doit comprendre également cette logique. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Je crois que maintenant, il y a une autre partie aussi intéressante. Il y a le buffet. Merci encore à M. Vesporda et à M. Jardin. Je te laisse faire. Tu as appuyé là? Non, je n'ai pas éteint.